et ensemble, et puis eh bien, la Maison Blanche fait qu'on ait n'importe quelle négociation qui t'a gagné entre président Donald Trump avec président nord-coréen Kim Jong-un, eh bien, seul objectif là, c'est dénucléarisation presqu'île coréenne. Actualité à peine d'abord dans le pays d'Haïti, côté Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, fait passer main dans le gouvernement, côté il remplacé quatre ministres et nommé un nouveau titulaire pour le ministère haïtien qui vit à l'étranger, MAV, qui lui-même te gagne en tête, li, yon ministre par intérim. Premier ministre Lafontaine fait annonce là lui-même sous TNH, Télévision l'État. Le citoyen Jean-Marie Reynaldo Brunet est nommé ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Le citoyen Jean-Roudy Ali est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington d'ici, donc un remaniement qui fait un remaniement cabinet ministériel là, il y a quatre ministres qui ont changé, et puis il y a un ministre haïtien qui vit à l'étranger, lui-même qui était dans la tête là, il y a un ministre par intérim, et bien, il y a un changement qui fait la donne toujours. Et puis l'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, concernant le remaniement cabinet ministériel là, eh bien, dans le cadre de remaniement cabinet ministériel, là, qui fait là, responsable SOS journaliste, là, journaliste Guilherme Sedelva, tourné ministre culture et communication. Pour lui, doit gagner en balance en communication avec culture dans le ministère que pral diriger. N'apprêtez toujours dans le pays d'Haïti, il faut dire que gain changement. Groupe député qui est proche. Pouvoir te fait pression pour le gouvernement renvoyer plusieurs ministres. Est-ce que le parlementaire est satisfait? Nous allons gagner dans une réaction dans un prochain programme. Eh bien, nous retourner avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine sur le remaniement cabinet ministériel. Le citoyen Jean-Marie Reynaldo Brunet est nommé ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Le citoyen Jean-Roudy Ali est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Jobert C. Engrand est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Guilherme C. Delva est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Guy-André Junior François est nommé ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à Port-au-Prince le 23 avril 2018 en 215 de l'indépendance par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, vu et approuvé par le Président, Son Excellence Jovenel Moïse. Donc, t'as qu'on s'entendait là, responsable SOS, journaliste là, journaliste Guilherme Sedelva, tourné ministre culture à communication. Pour lui, doit gagner une balance entre communication avec culture dans le ministère que pral dirige là, entendez Guilherme Sedelva. Donc, Guilherme Sedelva, tant qu'on dit déjà, c'est un journaliste de carrière, d'ailleurs, qu'on y a pris quelqu'un pour diriger le ministère communication avec culture dans la première réaction. C'est que livré que tu que pour le diriger là. Et puis, changement dans le cabinet ministériel, ça arrivé après un groupe qui fait pression pour le gouvernement.
pour renvoyer plusieurs ministres. Et est-ce que parlementaire est satisfait? Nous allons gagner une réaction. Nous allons avoir un prochain programme et puis processus d'installation qui commence aujourd'hui. Il y a un autre point concernant le pays d'Haïti. Ministère planification et coopération externe continue à évaluer fonctionnement ONG dans le pays pour voir si il a respecté règlement en vigueur. Tandis que Jean-Pierre Leroy lui-même était parlé avec ministre Aviol Fleurant. Et puis l'autre point qui a dominé l'actualité par Boycott ici aux États-Unis, c'est que le président américain Donald Trump recevra officiellement le président français Emmanuel Macron dans le commencement de la journée mardi 24 avril 2018, là, dans une cérémonie qui était déroulée dans la Maison Blanche avant deux leaders ont fait une rencontre officielle et ensuite une conférence pour la presse sous thème qui ont été abordé pendant la rencontre, là, notamment dossier Syrie, dossier Iran, sans oublier question commerce international. N'a prêté toujours dans l'actualité sous plan international. Président américain Donald Trump déclarait qu'il espérait rencontrer en volontaire le leader Corée du Nord Kim Jong-un et lui fait compliment pour M. Kim que le considérait comme, tenez bien, un monde qui est très franc et très honorable. Après M. Trump a fini rencontrer avec le président français Emmanuel Macron qui a visité Washington. Eh bien, président Trump fait connaître, il recevoir nouvelle qui fait connaître que nos Coréens ont tarémé, ouais, rencontre la fête bien vite. C'est comme quoi, pour yon dit, pibonnet, c'est grand matin. Monsieur, moins pensé, c'est président Donald Trump qui a parlé toujours, rencontre ça, pral yon gros bagay. Trump qui ajoutait, on suit pour nous, ouais, côté ça pral mener nous. Mais moi, pensé, nous prenons gain une bonne occasion pour nous réaliser un bagage qui est très spécial. C'est une déclaration président 12. Avant de nous venir avec plus de détails. Nous faisons programme Radio 5 heures après-midi Service Créole La Confiance. Kounila, faites confiance sous télévision. Programme Radio Service Créole La Voix de l'Amérique là, disponible sous télévision avec même information objectif, équilibré, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation. Non. Nouvelle, non, bon timamite, équilibré, sans pas souki, c'est critère qui est plus important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service Créole La Voix de l'Amérique là, sous télévision. Eh bien, on a retourné avec Guilherme Sedelva, qui lui-même et qui tournait nouveau ministre communication avec culture. Il dit que doit y avoir balance entre deux entités, ça y est, communication avec culture. Guilherme Sedelva. Culture et communication, il y a plusieurs autres sous-secteurs là-dedans. Et c'est un champ qui est assez vaste. Donc, nous parlons tout avec différents spécialistes dans différents secteurs pour que nous soyons capables d'atterrir. Parce que je parle avec le président République là, qui montrait en pile importance que l'accorder à ce secteur ça, qui est la culture là, qui est le secteur communication. La culture là, c'est pays là, c'est ça nous y est, c'est nous-mêmes, c'est nous haïtiens, c'est ça nous y est comme monde. Donc son bagage qui est très vaste et il y a un pile travail qui vous faites là-dedans. Et en plus de ça, communication, comme ça vous l'a dit, je viens de dire. Donc sans communication, bon, grand bagage. Qui peuvent pas faire, ou bien qui passe mal, ou bien que population pas informée, le mal informé, le cas des réactions qui vraiment pas souhaitables. Donc communication, c'est extrêmement important, même avec culture, je me dis là. Mais il faut que nous puissions faire, c'est que c'est assurer nous que nous ne pas vraiment prendre le pas sur. Claire Sedelva, c'est nouveau ministre communication et culture dans le pays d'Haïti. N'a prêté toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, collaborateur de Jean-Pierre Leroy, t'as qu'on te dit déjà, t'es parlé avec ministre Aviol Fleurant, qui a porté précision sous et évaluation qu'a faite sous fonctionnement ONGO dans le pays d'Haïti. Ministère planification et coopération externe a fait audit sous fonctionnement organisation non gouvernementale dans 10 départements géographiques pays d'Haïti. Pour l'année 2017-2018 là. Ministre planification haïtien, Aviol Fleurant, qui souhaite participer à la rencontre printemps Banque mondiale et Fonds monétaire international à Washington, dit la Voix de l'Amérique, l'a analysé si 700 millions de dollars américains ONG ou dit ou dépensé à répondre à priorité gouvernement en place là. Aviol Fleurant. Nous faisons un rapport 2017-2018 sur 150 ONG, 1140 projets,
dans les 10 départements du pays, près de 700 millions de dollars américains dépensés pour 17-18, n'a fait une petite ça là. L'on a gardé près de 1 milliard de dollars américains. Cela aurait dû avoir un impact dans l'AGI, ONG qui respectait sa loi mandéa. On continue avec eux. Et nous là pour sortir, penser à sortir dans le schéma de l'aide et nous allons sortir pour atteindre le niveau. Ministre planification haïtien te réagit tout sous dossier ONG Oxfam Grande-Bretagne là qui était impliqué dans un scandale sexuel dans le pays d'Haïti. Aviol Ferrand a dit qui décision comptait prendre dans le jour qui venir. Oxfam te permet à des prédateurs sexuels de quitter le pays. En tant que ministre de la planification de la coopération externe, j'ai pris une mesure provisoire au nom du gouvernement de suspendre provisoirement pendant pour 2 mois. Nous annoncerons à la République et au monde entier la décision qui s'imposera dans le cas d'Oxfam. En 2017, le ministère de planification a fermé 257 ONG. Le ministre Aviol Fleurant dit qu'il n'a pas analysé le fonctionnement, quantité qui était haut, selon la loi, avant de prendre l'autre décision. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. N'a propose avant nous retourner dans un gros point cap dominé actualité ici aux États-Unis qui se rencontre entre président Donald Trump avec président français Emmanuel Macron. Et commencer avec exécution hymne national de pays. D'abord la Marseillaise, hymne national français, et puis The Starred and Spangled Banner, la bannière étoilée ou drapeau qui plein étoiles là. En parlant de hymne national, les États-Unis. Après ça, deux présidents ont quitté le podium, puis ont passé en revue troupes militaires qui étaient réunies dans l'occasion. Environ 500 hommes qui étaient sortis dans 5 branches forces armées des États-Unis. Aviation militaire, l'armée de terre, Corps Marine, la marine de guerre avec garde-côte. Deux présidents ont retourné sur le podium, côté ont appris à prendre la parole l'une après l'autre. D'abord, président Trump dit qui j'en ai content recevoir l'idée française avec Madame ni Brigitte Macron dans la Maison Blanche. Président Trump dit là, amitié extraordinaire, non développée pendant 12 mois passés. C'est un témoignage sous amitié durable qui Macron est de pays nous. Lit seulement bien approprié que personnalité m'a recevoir dans le cadre de la première visite d'État qui fait sous gouvernement maintenant, c'est leader allié qui pire ancien États-Unis en parlant de président pays fier qui relève la France là. Bon côté parle, président Macron te mette même chaleur dans le discours de faire, côté il insisté sous amitié historique qui lie les États-Unis avec la France. Je vous remercie pour votre accueil et pour l'honneur que vous rendez à la France et à l'amitié. Dans mi temps journée, deux leaders ont baillé une conférence pour la presse. Côté ont baillé opinion entre autres sur grand dossier actualité à travers le monde, surtout sur dossier Iran et Syrie. À soya, monsieur et madame Trump a offert un dîner officiel dans la Maison Blanche pour coupe présidentielle française. Et puis demain mercredi, président Emmanuel Macron prend la parole devant deux chambres congrès états-unis réunies avant d'y retourner dans le pays la France. Ici Lionel Demarat, Salle Nouvelle, La Voix de l'Amérique, là, Washington. Merci Demarat, n'a prêté toujours dans l'actualité ici aux États-Unis. T'as qu'on te dit déjà ancien président états-unien George H.W. Bush. Père Bush réagit bien à un traitement que la recevoir après l'été fait une infection qui était capable de prendre la ville d'après un porte-parole famille. Monsieur Bush qui a 93 l'année était joignu admettre dans l'hôpital méthodiste dimanche matin et que l'hôpital là mettait dans soins intensifs samedi avant l'hôpital là. Monsieur Bush était dans funérailles madame Barbara qui mourit semaine passée dans l'âge 92 l'année. Couple a été marié depuis 73 l'année. Ancien président a fait un mandat dans la Maison Blanche au 1989 pour arriver 1993. Il est en chaise roulante et il est servi avec une machine électrique qui est en couille en fauteuil pour circuler après l'été fin. Il a une maladie
Parkinson et l'ital couché l'hôpital plusieurs fois déjà avec problème respiration, entre autres pneumonie. N'a pas quitté actualité ici aux États-Unis pour aller au Canada côté yon chauffeur camionnette que autorité au suspect comme quoi l'ita touye 10 moun l'elle conduit machine nan sous perron dans la rue Toronto dans pays Canada. Li gen pour normalement gen pour paraître jodi a devant un tribunal. La police na Canada a cherché connait à qui intention l'ita lancé attaque ça hier lundi côté 15 l'autre moun blessé. Chef police Toronto, Mac Sanders, identifié suspect là comme Alec Minassian et fait qu'on est, il était sorti dans la banlieue Villa en parlant de Toronto. D'après M. Sanders, ça paraît clair que suspect là a lancé attaque là avec toute volonté. Ministre sécurité publique là, Ralph Goodell, fait qu'on est, il était consulté à responsable sécurité replacé qui conclut que incident pas gain aucune connexion avec sécurité national. Nous parlons dans Pakistan, côté responsable Pakistan empêché yon diplomate américain quitter pays a pendant gen yon jugement contre li dans tribunal sous implication dans yon accident machine. Ça va gen longtemps côté moun te perdu la vie. Autorité au fait connait 7 avril passé a colonel attaché dans défense Joseph Emmanuel Hall tap conduit yon machine ambassade la l'LT fait collision ak yon motocyclette côté li touye Atik Beg qui te gen 22 l'année et blessé yon lot moun qui te sous moto a. Assistant ministre justice Rajak Khalid informé tribunal la jodia que gouvernement fédéral la mette non rol sous liste noire ça qui empêche le quitter pays Pakistan. Li fait konnen yon alerte tout aéroport nan pays a. Et puis, n'a pas quitté zone nous parlons en Amérique, plus précisément en Amérique centrale, côté levé campé qui gagne dans pays Nicaragua, forcé département d'État américain, mandé famille employée qui pas essentiel quitter pays Amérique centrale ça. Jean-Robert Philippe gagne détail depuis salle des nouvelles. Département d'État américain mandé famille avec personnel américain qui dans Nicaragua pour quitter le pays après plusieurs dizaines de monde mourir dans protestation avec acte violence. Président Daniel Ortega a rentré décret qui est publié sur réduction pension avec augmentation contribution employée à payer dans le système social sécurité pays. Javier Luis Tabalos, c'est un parmi les manifestants qui opposait avec réforme sécurité sociale là avec réforme non en général. Protestation a vint pirate comparé avec l'autre à cause population fatiguée. Population fatiguée avec violation droit monde, ensemble avec violation constitution. Dernière décision autorité renversée vers. Il y a joué avec poche peuple nicaragouien. Protestation ça, c'est une réponse à cause nous fatigués. Mode abissaïo fait nous sentir nous malades. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres exprime inquiétude li pour des autres qui viennent en Nicaragua. D'après une déclaration porte-parole Stéphanie Duk Radjic publiée. Secrétaire général là mandé parti concerné yo mettre de l'eau dans divin. Président Daniel Ortega a déclaré nous voulons la paix retourner dans le pays, nous ne sommes pas capables de tolérer le pays à tomber dans des ordres, crimes et des choucages. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique, là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Ou toujours sur La Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC. Merci pour tous les amis et Facebook nous qui suivent nous en direct. La propose. Accueillir Serge François Michel qui pourra présenter nous science et technologie. Il pourra parler de éléphants dans le pays Gabon. Expert en conservation dans le pays Gabon commence à servir avec instrument GPS, Global Positioning System, pour suivre les éléphants de tous côtés au passé pour protéger contre les trafiquants illégaux qui ont cherché tout hier. Jean-Baptiste Squarcini travaille pour l'agence Parc National dans le Gabon. Donc on s'est rendu compte assez rapidement depuis les années, il y a à peu près une dizaine d'années, une vingtaine d'années presque maintenant, depuis 2004, qu'il y avait une pression de plus en plus forte sur les éléphants liée au trafic d'ivoire de cette espèce. À destination en fait, des pays asiatiques pour la plupart, donc le Vietnam, la Thaïlande et la Chine. Chercher à mettre un appareil GPS sur une bête qui pesait 5 tonnes, ce n'est pas bagaille facile. D'abord, il faut qu'on joigne chaque éléphant et après ça, il faut qu'on attire les Kimbel pour un petit bout de temps pour tâcher le GPS là sous lit. Tout ça prend 10 minutes. Parfait Ndong Odongo, dans l'agence Parc National Layo, dans Gabon, explique comment ça fait. Le centre des opérations ici nous permet d'être en contact avec des équipes de terrain. En même temps, elle nous permet de suivre
les déplacements, les mouvements des éléphants qui ont des colliers. Ça gagne seulement 10 l'année. Experts ont fait connaître Gabon, tu as une plus grosse population d'éléphants en Afrique centrale. Côté payant, tu as 45 000 éléphants. Et l'autre fois encore, Jean-Baptiste Squarcini. On estime avoir perdu à peu près entre 10 et 15 000 éléphants dans le parc national de Minkébé au Gabon. Ce qui correspond à un nombre effarant par rapport à la population globale de cette espèce. Pendant la lutte contre trafiquants qui a touillé l'éléphant, il a continué dans Gabon et l'autre côté, l'agence qui a fait travailler la police a cherché qu'on ait Kimoun qui a touillé à coup de poing. Ils ont enquêté replacé sous commerce illégal ivoire à Kon Rhinocéros qui a déjà mouru la Kaili dans Nairobi, capitale pays Kenya. Pour Science et Technologie, moi-même c'est Serge-François Michel. Merci Serge François Michel. Nous connaissons que Sotgen en ville Limane, en PIP, au 8e sommet des Amériques. Envoyé spécial, nous, c'était Jean-Robert Philippe qui t'a profité de clôture là, puis pour M. Lagué quelque part à terre, il joue comme complice, Célia Mendoza. Eh bien, nous ne va jamais connaître que Jean-Robert Philippe t'a condamné comme ça. On a regardé ensemble pour nous voir si samedi, c'est menti.